Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo dans mon nouvel atelier. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter mon patron Maxence, qui est mon tout premier patron de veste ou de manteau. Veste ou manteau parce qu'on a un modèle qui est oversize, du coup ça permet de se faire vraiment plaisir au niveau du choix des tissus et pour au final avoir un modèle que l'on peut porter pratiquement toute l'année. Je vais commencer avec la première version que j'ai faite. Il s'agit donc d'une version veste, et pour laquelle j'ai utilisé une gabardine de coton atelier brunette. Et j'ai également fait une deuxième version qui est beaucoup plus épaisse avec un drap de laine que j'ai acheté chez Pretty Mercerie. Donc vous voyez qu'en fonction du tissu que vous allez choisir, on a quand même deux effets qui sont quand même très différents. Et donc une veste qu'on peut porter toute l'année. Au niveau des caractéristiques du modèle, on a donc des volants qui partent depuis l'encolure pour se fendre au niveau au niveau des manches. On a également deux poches sur le devant qui sont doublées. Alors je vais essayer de vous montrer ça à l'écran. Alors là vous voyez que j'ai le tissu qui est assorti. Et bien évidemment, on a un modèle qui est entièrement doublé et ça tombe bien parce que c'est l'objet de la vidéo. Alors, au niveau des questions pratiques, c'est un modèle qui est classé à un niveau intermédiaire. Donc, si vous avez déjà réalisé quelques projets couture et que vous commencez à être à l'aise et que vous vous amusez en couture, c'est un modèle qui est tout à fait accessible à votre niveau. Ensuite, le patron est disponible de la taille 34 à la taille 46. Et comme d'habitude, en PDF ou en papier. Et grosse nouveauté, il y a quelques fournitures pour réaliser ma version veste. Donc si vous aimez cette version en gabardine atelier brunette, sachez que la gabardine ainsi que les boutons assortis, mais aussi la viscose assortie, sont disponibles sur ma boutique. Donc ce sont les rouleaux que l'on voit derrière moi, et j'ai également sélectionné deux autres viscoses de cette même marque. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique. Bon, maintenant passons aux choses sérieuses, voyons comment assembler la doublure de Maxence. Voilà donc ma veste où j'ai déjà cousu donc ma parmenture endroit contre endroit à tous les côtés de ma veste. Et donc là, je vais retourner la parmenture vers l'intérieur de façon à ce qu'elle soit envers contre envers avec la veste. Et au préalable, j'ai bien pris soin de cranter mes angles. Là, vous en voyez un par exemple. Et en crantant mes angles, cela me permet d'avoir de jolis angles lorsque je retourne l'ouvrage, c'est-à-dire lorsque je retourne la parmenture vers l'intérieur de la veste. On va maintenant passer à une étape qui est vraiment pour moi la plus délicate dans ce tutoriel, mais qui vous permettra d'avoir de jolies finitions. Alors, je vais déjà commencer par écraser les marches de couture avec mon fer à repasser. Comme ça, ce sera plus facile pour moi de bien pouvoir plier cette fameuse parmenture à l'intérieur de la veste. Et là, vous voyez que quand je replie la parmenture à l'intérieur de la veste, vous voyez qu'on a un pli qui est quand même beaucoup plus, je dirais, gracieux que tout à l'heure. Et donc pour parfaire le tout, je vais utiliser un objet qui est pointu, comme par exemple la pointe d'un stylo, pour bien faire ressortir les angles. Et je fais ça sur absolument tout le contour de la veste, même au niveau des parties qui sont arrondies, donc au niveau de l'encolure, où là c'est pas forcément accessible avec un fer à repasser. Ben là vous voyez que j'utilise mes ongles pour écraser ces marges de couture. Et quand c'est fait, je replie la parmenture vers l'intérieur et je repasse le tout. Comme je vous le disais tout à l'heure, cette étape est un petit peu délicate puisque là, on va devoir fixer la parmenture au niveau de la veste. Et ici, j'ai utilisé un ourlet qui est thermocollant que je vais coller vraiment en bas de la veste de façon à ce qu'il nous reste au moins 2 cm de marge de couture.
Je vous montre d'un petit peu plus près l'ourlet thermocollant en question. Moi, je vais légèrement le couper sur les côtés parce que, comme je vous le disais, il nous faut au maximum 2 cm d'ourlet thermocollant. Là, on a un petit peu plus. Donc, j'ai plié l'ourlet sur lui-même pour enlever le surplus. Maintenant, je positionne cette bande d'ourlet thermocollant à la base de ma veste. Donc je la positionne de façon à ce qu'elle soit vraiment au niveau de la jonction entre le bas de ma veste et le bas de ma parementure. Et quand cette bande elle est placée comme il faut, à ce moment-là je peux rabattre à nouveau la parementure à l'intérieur de la veste et là j'utilise mon fer à repasser pour fixer cette bande d'ourlet. Alors de mémoire, ma bande elle est fixée à peu près 18 et 20 secondes, donc c'est le temps qu'il faut laisser au fer pour pouvoir coller cette bande. Et bon, là bien évidemment c'est en accéléré, mais n'hésitez pas à regarder les préconisations de la marque que vous allez utiliser. Après que ma parementure est refroidie, vous voyez que là on a notre parementure qui est bien collée et on a bien au moins 2 cm de marge de couture. Je continue à faire cela sur tous les contours de la veste et au niveau de l'encolure, vous allez voir que c'est un peu moins évident puisqu'on a une partie qui est arrondie. Donc à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à recouper la bande d'ourlet en petits bouts. Moi, c'est ce que j'ai fait, que ce soit au niveau de la hauteur et au niveau de la largeur. Et donc j'ai procédé de cette façon vraiment en plusieurs étapes en me coupant des petits carrés ou des petits rectangles d'ourlet thermocollant. Et je le répète encore, quand vous coupez vos petites bandes d'ourlet thermocollant, veillez bien à ce qu'il reste au moins 2 cm de marge de couture au niveau de la parementure. C'est vraiment important parce que tout à l'heure, on va assembler cette parementure à la doublure et si vous n'avez pas de marge de couture suffisante au niveau de la parementure, eh bien, on n'arrivera pas à coudre cette doublure. Maintenant qu'on a collé notre ourlet thermocollant sur tout le contour de la veste, on va renforcer tout ça avec des points invisibles. Alors, l'ourlet thermocollant, c'est bien pratique, mais je dois avouer que ce n'est pas ce qu'il y a de plus résistant. Donc, pour être sûr que notre parementure elle sera bien fixée à notre veste dans le temps, on va faire quelques points invisibles. Et ces points invisibles, on ne va pas les faire partout, on va juste les faire au niveau des marges de couture. Donc là, de mémoire, je crois qu'on est au niveau de la jonction entre le dos milieu et le dos côté. Et l'avantage de les faire juste au niveau de ces marges de couture, c'est que si on a un point invisible qui est imparfait, et ben, ça ne se verra pas depuis l'extérieur du vêtement parce qu'on les fait vraiment dans les marges de couture. Et si vous vous ratez, et ben, quand même au niveau de ce point, on aura peut-être quelque chose qui ne sera pas joli au niveau de la parementure, mais ça restera quand même à l'intérieur du vêtement. Maintenant, on va céder des repères des bas de manche pour plier envers contre envers. Et pour cela, on va céder du fer à repasser pour fixer ce pli. Alors, même si on a donc les repères pour plier ce bas de manche, quand même bien de vérifier qu'on est quand même à la bonne distance, on ne sait jamais. Et pour info, il faut que ce pli soit de 3 cm. Donc, ouais, n'hésitez pas à vérifier ce pli à l'aide d'une règle. Quand c'est fait, on va faire exactement comme tout à l'heure en utilisant une bande d'ourlet thermocollant. Alors là, vous voyez que la bande elle est vraiment fine, elle fait à peu près 1 cm parce que tout simplement on a un ourlet qui n'est pas très haut. Donc si on veut avoir au moins 2 cm de marge de couture au niveau du bas de manche, eh bien il faut qu'on ait un ourlet thermocollant qui soit plutôt fin. Alors là, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais j'ai quand même couper la bande d'ourlet thermocollant pour pouvoir la coller au bas de manche en 2 fois. Ce sera quand même beaucoup plus simple de cette façon-là. Donc pareil, je l'insère bien au niveau du pli. Et là, vous voyez que là, que je recoupe un deuxième petit morceau pour pouvoir faire la même chose de l'autre côté de la manche. Et pour stabiliser le tout, je fais comme tout à l'heure, un point invisible au niveau des marges de couture.
Je vous montre maintenant très rapidement ma deuxième version de Maxence, pour laquelle je n'ai pas du tout utilisé d'ourlet thermocollant, mais pour laquelle j'ai fait un point invisible sur tout le contour de la veste, donc surtout le contour de la parementure. Donc pour cela, j'ai commencé par fixer mon fil au niveau des marges de couture, et j'ai continué mon point sur absolument tout le contour. Alors cette méthode, elle est un petit peu délicate, puisqu'il faut à la fois prendre un petit peu de tissu et aussi traverser l'entoilage thermocollant. Donc c'est pas une méthode qui est très très facile, je dirais, à faire, mais elle présente quand même l'avantage d'avoir un vêtement qui est plus durable dans le temps. Maintenant que la parementure est fixée, on prend notre doublure et on va l'enfiler sur la veste endroit contre endroit. Alors j'insiste bien, hein, je ne montre pas comment faire la doublure, mais surtout n'oubliez pas de laisser une ouverture d'une vingtaine de centimètres au niveau des manches. Tout ça est expliqué dans le livret, mais je vous rappelle quand même. Alors, maintenant qu'on a notre doublure qui est endroit contre endroit, eh ben, on va tout simplement l'épingler endroit contre endroit avec notre parementure. Donc pour cela, on soulève légèrement la parementure, et là vous voyez que je positionne endroit contre endroit ma couture épaule de ma doublure avec ma couture épaule de parementure. Et donc là, n'hésitez pas à écraser, enfin à écraser, oui, les marges de couture pendant l'épinglage. Donc je fais ça sur absolument tout le contour. Et là, au niveau du bas de ma parementure devant, je vais m'aider du repère pour bien faire correspondre la doublure avec la parementure devant. Je vous montre d'un petit peu plus près cet épinglage. Là, on est au niveau du bas de la veste, où on voit que la pince qui est au niveau de la doublure, elle correspond avec la jonction que l'on a au niveau de la parementure devant. Et là, je continue l'épinglage, encore une fois, endroit contre endroit. Et quand vous arrivez au niveau de l'un des deux arrondis, surtout n'hésitez pas à tirer sur les deux tissus pour que la doublure et le tissu principal s'épousent bien. Là maintenant, on arrive au niveau du dos de la veste, et là encore, il faut faire correspondre les jonctions de la doublure avec les jonctions de la parementure. J'ai terminé mon épinglage avec l'encolure. Donc là, je positionne ma doublure et je tire légèrement sur le tissu pour que ma doublure, elle adhère bien avec ma parementure dos. Voilà, quand l'épinglage est terminé, je vous montre un peu ce que ça donne. Donc désolée si vous avez le mal de mer pendant ce visionnage, mais c'est vraiment pour vous montrer que cet épinglage, il est vraiment continu, qu'il se fait endroit contre endroit entre la doublure et la parementure.
On passe maintenant à la machine à coudre et cette couture, elle se fait aussi en une seule fois. Et là, vous voyez l'intérêt quand même d'avoir laissé au moins 2 cm de marge de couture au niveau de la parmenture lorsque l'on a collé cette parmenture à la veste. Et donc, vous voyez que c'est vraiment pratique d'avoir laissé, je dirais, cet espace parce que la manipulation de la veste, elle est beaucoup plus aisée pendant cette étape. Maintenant qu'on a réalisé cette très 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 longue couture et que l'on a retiré toutes les épingles, on va maintenant retourner la veste sur l'endroit. Pour cela, on va s'aider d'une des ouvertures laissées dans la doublure au niveau de la manche et on va tout simplement tirer sur la veste et donc on fait passer cette veste au niveau de l'une des ouvertures de manche. Et voilà ce que ça donne. Alors moi j'ai oublié de le faire dans la vidéo, mais vous pouvez, je vous conseille d'insérer les manches de la doublure à l'intérieur de la veste et vous verrez pourquoi dans la session qui va suivre. Alors maintenant vous voyez la veste pour laquelle j'ai inséré la manche de la doublure à l'intérieur de la manche de la veste. Maintenant j'insère mon bras à l'intérieur de la manche et j'attrape à la fois le tissu principal et le tissu doublure. Et là, vous voyez donc que j'ai la manche qui est ressortie et que j'ai l'endroit de la doublure vers moi. Ensuite, je plie le bas de ma doublure envers contre envers sur au moins 1,5 cm. Donc là, je le fais à la main, mais vous pouvez aussi vous aider d'un fer à repasser. Et là, vous apercevez aussi le bas du tissu principal que l'on avait déjà thermocollé tout à l'heure. J'insère maintenant ma main au niveau de l'ouverture laissée au niveau de la doublure. Et là, j'attrape à la fois le tissu doublure et le tissu principal de façon à ce que ces deux tissus-là soient bien endroit contre endroit et je veille aussi à faire correspondre les coutures du tissu principal et celles du tissu doublure. Et je tire le tout vers l'extérieur. Donc une fois ce bas de manche est vers l'extérieur, comme je vous le disais, je veille à bien faire correspondre les coutures. Alors les coutures dont je parle, ce sont les deux coutures que l'on a et qui permettent de joindre le dessus de manche au dessous de manche. Et quand donc j'ai bien fait cet assemblage, je commence à épingler. Et bah, je fais cela sur absolument tout ce contour de bas de manche. Et voilà, quand l'épinglage est terminé, on a cette sorte de tube, cette sorte de tuyau que l'on va devoir coudre à la machine. Pendant cette étape à la machine à coudre, prenez vraiment votre temps puisque comme on a collé tout à l'heure le bas de manche avec l'ourlet thermocollant et qu'on a fait des points visibles, vous voyez qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'espace pour manipuler le tissu. En plus, on est au niveau du bas de manche, donc c'est une pièce qui est assez petite. Donc prenez bien votre temps pour bien faire cette couture qui se fait en une seule fois.
On enlève ensuite toutes les épingles une fois que la couture est finie. Et maintenant, on va pouvoir remettre la manche sur l'endroit en la faisant passer tout simplement par l'ouverture laissée au niveau de la doublure. Donc on fait repasser le tout par le même chemin qu'on a utilisé tout à l'heure pour faire sortir la manche. Donc une fois qu'on a tout fait repasser par cette ouverture, on voit que comme par magie, notre doublure est installée au niveau des manches. Pour finir, on va bien devoir refermer cette ouverture au niveau de la manche de la doublure. Donc pour cela, on plie cette ouverture sur environ 1 cm pour pouvoir, resimuler les marges de couture. Et donc là, soit on fait un point invisible, je dirais que c'est la technique la plus esthétique, mais je vous avouerai que moi, j'ai eu la flemme et que j'ai préféré faire une couture apparente, en faisant une petite couture, je dirais, aller à 2-3 mm du bord, donc ça donne ça. C'est pas la solution la plus esthétique, mais on est quand même à l'intérieur d'une manche, donc c'est une partie qu'on ne verra jamais. Et c'est aussi une technique qui est plus rapide, donc c'est celle que j'ai utilisée, à vous de voir la technique que vous préférez. Donc voilà, il ne vous reste plus qu'à faire la même chose pour l'autre manche de votre veste ou de votre manteau. Pour finir, vous pouvez à nouveau utiliser votre fard à repasser sur tous les contours de la veste pour éventuellement recoller l'ourlet thermocollant qui se serait décollé pendant toutes ces manipulations. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que la doublure de la veste Maxence n'a plus de secret pour vous. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et surtout à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !